Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel arrière-plan. Donc je me suis dit qu'au bout d'un moment ça doit vous saouler, donc je ferai de temps en temps comme ça, je changerai un petit peu l'arrière-plan. Donc je vais commencer par vous montrer le haul ProMode, puisque la dernière fois je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous montre les vêtements que j'achète, etc. Vous m'aviez dit que ça vous intéressait quand même. Donc étant donné que la plupart des articles sont encore en vente, je vais commencer par vous montrer déjà les boots. Donc j'ai pris des boots qui sont comme ça. Donc elles sont en cuir. Là, elles font énormes, mais en fait c'est du 41. Il faut prendre en compte le fait que j'ai des grands pieds quand même, hein. Donc c'est du 41. Et à la base, elles coûtaient 80 euros. Et je ne sais plus si je les ai prises à moins 70 ou moins 50. En tous les cas, je vous mets le prix auquel je les ai payées, moi. Hein, je vous le mets sur la vidéo. Donc voilà, donc c'est mes premières boots en véritable cuir. Donc voilà, elles sont toutes simples, hein, rien de bien spécifique. Et moi j'aime bien les talons comme ça. Étant donné que je vais travailler à pied, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc ensuite, je vais vous montrer les robes ou les tuniques, ça dépend comment vous les portez. Donc j'ai pris celle-ci. Voyez comment c'est. Je la trouve magnifique. Franchement, vraiment, je la trouve magnifique. Donc celle-ci, elle était à 40 euros. Vous voyez, elle est quand même assez longue. Et au niveau des manches, elles sont comme ça. Et voilà, vous pouvez les retrousser et puis accrocher ici. Voilà. Moi, celle-ci, je la trouve vraiment très, 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 très jolie. Moi, c'est le genre de choses que je porte avec un legging. Et d'ailleurs, j'ai repris un legging d'hiver. Vous voyez, qui est vraiment en coton. Tout simple, hein, je ne vais pas vous le montrer plus que ça. Il est tout simple. Le legging, il était à 20 euros. Donc ensuite, une tunique. Hop, qui est bien longue aussi. Donc celle-là, elle est plus dans les tons violets. Donc voilà, avec un petit col comme ça. Voilà. Et puis qui est assez longue aussi. Voilà, qui sert au niveau de la taille. Et puis après, qui est bien évasée. Donc elle a les manches courtes. Et voilà, c'est le genre de robe moi que je mets toute l'année en fait. Hein. J'ai pas vraiment de temps. Faut vraiment que ce soit des couleurs corail ou pastel pour que je les porte pas toute l'année. Mais sinon, j'aime bien avoir des robes et des tuniques. Je préfère vraiment m'habiller comme ça. C'est comme ça, c'est facile. En même temps, quand je rentre au boulot, je dois me changer. C'est plus facile pour moi. Donc celle-ci que je viens de vous montrer, elle était à 50 euros, le prix de base. Et je vous ai mis le prix auquel je l'ai acheté. Et pour terminer, à 40 euros, il y en a une qui m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. Voilà, ça fait comme si vous aviez une sorte de chemisier en dessous. C'est en coton, c'est assez assez épais. En même temps, c'est une matière très très douce. Et après, vous avez la jupe. C'est comme si vous aviez ça et la jupe. Et franchement, c'est quand vous regardez la matière, le tissu, comment il est fluide. Et la forme, elle est magnifique. Franchement, c'est vraiment super évasé. Par contre, faire gaffe au coup de vent parce que je pense que c'est le type de matière qui se soulève assez rapidement étant donné qu'elle est super évasée. J'espère vraiment que je vous ai bien montré les vêtements. Franchement, j'ai fait de mon mieux. Si ça vous plaît pas comme ça ou alors si vous trouvez que vous les voyez pas assez, dites-le moi. Comme ça, je referai comme j'avais fait sur l'ancienne chaîne. Je mets la caméra plus sur moi et là, je vous montre les vêtements. Donc voilà. Il y a moyen aussi de faire comme ça. Si vous trouvez que vous les verriez un peu mieux de cette manière-là, je ferai de cette manière-là. C'est comme vous désirez. Mais surtout, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, tout de suite maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris en solde sur le site The Body Shop. Donc, alors là, par contre, j'ai fait de super bonnes affaires. Je vais vous mettre les prix au fur et à mesure. Mais comme vous allez voir, les prix sont très bas. Parce qu'en fait, grâce à iGraal, il y avait un moins 10% supplémentaire, ce qui fait que les moins 40 passaient à moins 50, les moins 50 passaient à moins 60 et les moins 60 à moins 70. Par contre, après les moins 70, il n'y avait pas moyen. Mais toutes les soldes étaient augmentées de 10%, donc franchement, c'était vraiment génial. Donc j'ai eu les produits à des prix que j'ai jamais payé, quoi. J'ai jamais eu d'aussi bon prix, d'aussi bonnes affaires. Donc je vais vous les montrer. Donc j'ai pris ce lait corporel à la myrtille. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, je vous avais dit est-ce que c'est possible de trouver des laits qui sont pas pailletés et je pensais qu'il n'y en avait pas et là je suis tombée dessus, du coup j'étais super contente. Donc c'est un 250 millilitres et franchement c'était une super belle affaire. Par contre le lait je l'ai pas ouvert, je connais l'odeur.
J'ai déjà un beurre corporel comme ça et franchement, j'adore l'odeur. Donc ensuite, j'ai pris encore un autre lait corporel, cette fois-ci de la gamme Chocomania. Celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne de Moroccan Daily, la youtubeuse Zoé. Et franchement, j'avais craqué. Je me dis, bah mince, elle a eu où son lait? Moi, je pensais pas qu'il y avait des laits. Et puis, bah si, il y en a. Donc, et puis c'est vraiment génial parce qu'il vient en format pompe. Et ça, c'est un régal. Donc pareil, je l'ai pas ouvert, mais bon, l'odeur Chocomania, maintenant, c'est plus un secret. Donc, par contre, il y avait une gamme que j'avais jamais testée, c'est la gamme à l'olive. J'ai failli prendre un coffret, mais finalement, j'ai pas pris de coffret, j'ai pris le gommage. Je me suis dit, je prends le gommage, de toutes les manières, un gommage, peu importe l'odeur, des fois même au citron, je serais capable d'en avoir, étant donné que j'aime pas les agrumes. Je serais capable d'avoir un gommage aux agrumes, ça ne me dérangerait pas sous la douche. Donc là, c'est à l'olive, et je vais vous montrer, là, c'est un 300 ml. Je vous montre la texture. Donc c'est une crème avec plein de particules exfoliantes. Par contre, pour vous dire un petit peu l'odeur, c'est une odeur très fraîche de plantes. De plantes, je pense que si vous arrachiez une plante dehors et que vous l'écrasiez dans la paume de votre main et que vous sentiez l'odeur, ça sentirait un petit peu ça. Ouais, ça sent vraiment la plante. La plante, les herbes, ça sent pas du tout l'olive, ça sent pas du tout l'huile d'olive. Donc voilà, c'est comme la gamme à l'argan, hein, ça n'a rien à voir avec l'odeur. Donc ensuite, encore une fois, Zoé m'a fait craquer. Alors, elle arrête pas de parler du beurre au Moringa. Et c'est vrai que Moringa, les filles, elles sont dingues depuis longtemps, elles adorent Moringa. Et puis je me disais, non, les fleurs, c'est pas pour moi, moi, c'est surtout les parfums gourmands. Et après il y a Coin Beauté 12, Kautar, qui disait aussi moi j'aime bien ce parfum-là et je trouve que vraiment ça peut aller à tout le monde. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il avait dit que ça plairait à tout le monde, moi je me suis posé un petit peu la question et j'ai sauté dessus. Et du coup j'en ai pris un 300 ml. Et voilà, dans tous les cas, moi je m'inquiète pas. Ma sœur aime beaucoup les produits de Body Shop aussi, elle en raffole, elle est pas difficile du tout, elle aime vraiment tout. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'ose et quand j'ouvre un produit qui me plaît pas, je lui donne. Et voilà, donc il n'y a pas de souci, il faut vraiment que ce soit un produit qu'elle aime pas. Mais voilà, en général, elle n'est pas compliquée. Par contre, j'ai eu un coup de cœur pour ce parfum-là. Donc c'est une crème qui est un petit peu jaune, un petit peu comme le pot. Et là, le moringa, je trouve qu'il est quand même sucré. Donc, par contre, voilà, même si vous aimez pas les odeurs sucrées, je pense que là, c'est vraiment très floral, ça va vraiment vous plaire. Donc, je ne connaissais pas cette fleur-là. Donc, est-ce qu'il y a un nom français pour cette fleur? C'est peut-être la fleur moringa. Contient de l'huile de graines de moringa. Faudrait que j'aille regarder. Moi, je connais pas cette fleur-là. Alors, pour vous décrire, vraiment, ça sent la fleur. Franchement, ça sent les fleurs. Ça sent pas une fleur en particulier, étant donné que je connais pas l'odeur du moringa. C'est une odeur qui est très douce, qui est fraîche, douce, légèrement sucrée, mais pas trop. Franchement, un régal et je pense plus pour l'automne. L'automne, ça va être quelque chose de super, super, super pour l'automne. Donc ensuite, j'ai racheté le beurre à la vanille. Là, j'en ai un tout petit, donc j'ai craqué sur le gros. Je suis dégoûtée de ne pas avoir trouvé les produits à la pomme. Vraiment, là, j'ai mon beurre à la pomme, je l'ai attaqué et franchement, j'ai pas du tout envie de le finir. Alors là, j'ai mis pause et j'ai attaqué surtout le Chocomania. Et puis voilà, parce que Chocomania, ça fait un bail maintenant que je l'ai, donc autant le finir. Là, il est encore de très bonne qualité quand même. Donc voilà comment se présente le produit. Il est plus texture légèrement beurre. Légèrement beurre. Pas très très beurre comme le Chocomania, mais légèrement. Mais très facile à travailler, très crémeux. Cette vanille-là, je l'adore. C'est une vanille poivrée. Une vanille poivrée très douce et très sucrée au niveau du beurre. Et après, au niveau du gel douche et du gommage, c'est vrai qu'elle était un petit peu trop poivrée, donc j'avais pas trop aimé. Mais en tout cas, au niveau du beurre, c'est beaucoup plus doux. Ensuite, j'ai racheté le beurre corporel à la framboise, dont je ne vous parle plus parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai terminé il y a pas longtemps, donc il sera dans mes futurs produits terminés. Et voilà, j'ai terminé le produit et franchement, c'était un régal de l'utiliser. C'est une odeur que j'aime énormément. Énormément. Donc ensuite j'ai pris aussi le beurre à la myrtille. Donc j'ai pris le lait et le beurre aussi. Donc la myrtille c'est un indispensable pour moi. Ce produit-là j'ai vraiment eu un gros coup de cœur.
Pour ce parfum-là, c'est vraiment un parfum que j'aime énormément. Donc ensuite, j'ai été tentée par ce produit-là. Donc c'est une gamme de chez The Body Shop que je n'ai jamais testée. C'est la gamme Spa Wisdom et ça, c'est le Polynesia. Non, c'est la gamme Spa tout court, il me semble, hein. Et là, c'est au Monoï, beurre corporel au Monoï. Et alors, la surprise sent exactement la même odeur que la gamme Argan. Et sauf que là, vous avez plus une crème. Ouais, ça sent la même odeur. Franchement, moi, vraiment la même odeur. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris un beurre corporel Chocomania et un gommage corporel Chocomania aussi. Donc voilà, j'ai terminé pour mes soldes. Je vous ai tout montré. Je vais vous mettre en barre d'infos un lien très important en ce moment. Il y a une vente herboriste sur le site Beauté Privée. Je vous mets le lien en barre d'infos. Franchement, faut vraiment en profiter parce qu'ils sont à moins 70%. Il y a des produits à moins 70. Ouais, moins 60, moins 70. Ça vaut vraiment le coup. Moi, j'ai pris des produits pour le visage. Donc Zoé, si tu passes par là, oui, normalement je suis en no-buy en fait. Hein. Zoé, si tu passes par là, oui, ça y est, j'ai reçu ma commande de The Body Shop, mais là, franchement, Arboris, Zoé, tu peux pas m'en vouloir. Hein. Tu peux pas m'en vouloir. On s'est mis d'accord, on s'est dit, c'est bon, on n'achète plus. En plus, je dois recevoir son swap dans pas longtemps. Alors, bah ouais, bah c'est tout. Hein. C'est tout, je suis faible. Donc voilà. Alors voilà, j'espère que... Vous profiterez de ce bon plan pour les personnes qui n'ont pas encore fait les soldes The Body Shop. Sachez que les produits restent très longtemps, même si vous êtes retardataire. Si vous arrivez, vous allez trouver énormément de produits à votre goût. Parce que franchement, The Body Shop, ils ont énormément de stock. Il n'y a pas un stock limité pour les soldes. Franchement, ils remettent souvent du stock. Donc, vous pouvez retourner de temps en temps. Mis à part vraiment quand c'est des collections limitées. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos soldes sur ma page Facebook, que je puisse voir un petit peu vous aussi ce que vous avez acheté. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les filles!